Nous sommes décembre et décembre, c'est la fête de Noël. C'est le mois béni de la naissance du Fils de Dieu. Mais connais-tu ce que signifie Noël pour les chrétiens? Noël signifie la naissance de Jésus-Christ, qui est le Sauveur du monde. Dieu fait homme. Alors connais-tu l'histoire de la naissance de Jésus-Christ? J'en doute. Alors c'est cette histoire que je vais te raconter dans cette vidéo, avec des images de manière simple et décalée. Le petit Jésus est né à Bethléem dans une mangeoire. Lui, le Fils de Dieu, il est né dans une mangeoire, au milieu des animaux. À sa naissance, les rois mages qui avaient appris qu'il était né ont suivi l'étoile polaire qui les a conduits vers le Fils Jésus. À leur arrivée, ils ont donné au petit Jésus de l'encens, de la myrrhe et plein de cadeaux. L'enfant couché dans la bergerie a reçu la visite des mages, car il était le Fils de Dieu, le roi de l'univers, venu sauver l'humanité. Le petit Jésus est né à Bethléem, dans une mangeoire. Lui, le Fils de Dieu, il a vu le jour dans une mangeoire au milieu des animaux. Lui, le roi de l'univers, il est né dans la toute simplicité des événements. Voyez-vous les bergers à l'entrée de l'étable? Comme toutes les nuits, ils étaient dans les environs à surveiller leurs troupeaux, quand tout à coup, ils virent apparaître un ange. La peur s'empara d'eux, mais l'ange les rassura. Soyez sans crainte, leur dit-il. Aujourd'hui à Bethléem est né le Christ Sauveur. Vous trouverez le nouveau-né couché dans une crèche. Et soudain, arriva une multitude d'anges qui louaient Dieu. Quand les anges eurent quitté, les bergers cherchèrent Jésus. Ils viennent de le découvrir. Savez-vous pourquoi Jésus est important? Je vais vous le dire. Lui qui possédait tout, il s'est dépouillé pour nous et a pris chair de la Vierge Marie. Je ne vous l'ai pas dit, la mère de Jésus s'appelle Marie. Marie était une vierge qui avait été promise en mariage à Joseph, fils de la maison de David. Mais l'action de l'Esprit Saint lui a couvert de son ombre et elle a enfanté le petit Jésus. Et Joseph a pris soin de Jésus comme si c'était son propre enfant, ne la reniant pas aux yeux des hommes et la gardant. Seigneur Dieu, toi qui étais si riche, toi qui es si riche, toi le Fils de Dieu, toi qui es plein de bonté et de pouvoir, merci d'avoir pris notre humanité. Tu as vécu parmi nous, tu as connu notre humanité, tu as connu nos peines, tu as souffert pour nous. Merci vraiment d'avoir existé dans nos vies, Seigneur Dieu. Petit Jésus, en ce mois de décembre, je te confie toutes les personnes en difficulté. Je te confie mes parents, je te confie mes amis, je te confie la terre entière. Oh Seigneur Dieu, viens prendre pitié de nous. Que ta naissance, Seigneur Dieu, soit la grâce qui illumine nos vies. Que nous puissions reconnaître ta divinité et sois toujours de nos batailles, de nos combats. Nous avons confiance en toi, alors ne nous déçois pas. Nous avons toujours confiance en toi car tu es le Fils de Dieu. Dieu trois fois saint, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, nous te confions notre terre entière, tous les pays en guerre, nous te confions nos difficultés, nous te confions aussi notre cher pays. Jésus est le Fils de Dieu, l'Emmanuel, le Sauveur du monde. C'est pourquoi il est notre Messie, notre Sauveur. Venu sur cette terre pour nous racheter de nos fautes, pour nous racheter de nos bêtises, pour nous racheter de nos faiblesses. C'est pourquoi comble de grâce, c'est pourquoi comble de cette joie immense que nous apporte la naissance du Fils de Dieu, je chante en chœur en disant: Il est né le divin enfant,
Jour de fête aujourd'hui sur terre, il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement.